Des tickets pour moi. Je te dois une reconnaissance éternelle. Malik ne m'aurait jamais pardonné. Voici ce que j'ai appris sur les funérailles de Majdadin. Il sera difficile d'atteindre Robert de Sablé, car il sera bien protégé. Essaie de te lier d'amitié avec quelques érudits pour l'approcher plus facilement. Pour toi, ce sera un jeu d'enfant. Des milliers de vies pour la défendre. Ta mission semble avoir été couronnée de succès. J'ai beaucoup appris sur nos ennemis. Bien, dis-moi ce que tu sais, et nous verrons ce qu'il convient de faire. Robert de Sablé et ses Templiers sont ici. Ils sont venus honorer la mémoire de Majdadin et assister à ses funérailles. Je vais les y accompagner. Pourquoi les Templiers assisteraient-ils à ses funérailles ? J'ignore quelles sont leurs intentions, mais je finirai par le découvrir. Les habitants sont très divisés. Certains voudraient les voir morts, d'autres disent qu'ils sont ici pour parlementer, pour faire la paix. La paix ? Je te l'avais dit. Ceux que j'ai déjà tués m'en avaient parlé, eux aussi. Cela ferait d'eux nos alliés, et pourtant nous les supprimons. Ne t'y trompe pas.
Nous n'avons rien à voir avec ces hommes. Ils semblent poursuivre un but très noble, mais ne reculent devant rien. Du moins, c'est ce que m'a dit Al-Mualim. Et quel est ton plan? Assister aux funérailles et affronter De Sablé. Le plus tôt sera le mieux. Puisse le destin guider ta lame, mon frère. Malik, avant de partir, je dois te dire quelque chose. Parle, je t'écoute. J'ai été stupide. Loin de moi l'idée de te contredire, mais enfin... De quoi parles-tu exactement? Tout ce temps, je n'ai jamais exprimé aucun regret. J'étais trop fier. Mais tu as perdu un bras par ma faute. Perdu Kadar. Tu avais toutes les raisons d'être en colère. Je ne peux pas accepter tes excuses. Je comprends. Non, j'en doute. Je ne peux pas accepter tes excuses car tu n'es plus l'homme qui m'a accompagné dans le temple de Salomon. Tu n'as plus rien à te faire pardonner. Malik. Si je n'avais pas été jaloux de ta réussite, je n'aurais peut-être pas pris autant de risques. J'ai des torts, moi aussi. Non, Malik, ne parle pas comme ça. Nous sommes unis. Nous partageons la gloire de nos victoires comme la douleur de nos défaites. Nous nous sommes rapprochés, toi et moi. Nous sommes plus forts. Merci, mon frère. Repose-toi si tu le souhaites. De nouvelles épreuves t'attendent, Altaïr. Avance rapide vers une séquence plus récente. Celui qui a fait ça. Rien ne me surprend plus maintenant. Nous sommes ici pour pleurer la perte de notre bien-aimé mage Nadine, qui nous a été enlevé trop tôt.
Sa mort est pour vous cause de chagrin et de douleur. Mais il ne faut pas, car comme tous un jour nous avons été mis au monde, un jour nous devons tous également quitter ce monde. C'est une loi de la nature, comme le lever et le coucher du soleil. Prenez un instant et rappelez-vous ce qu'a été sa vie et remerciez-le pour tout le bien qu'il a fait. Sachez qu'un jour, vous vous tiendrez à ses côtés au paradis. Comme vous le savez, cet homme a été tué par un hérétique. Nous avons tenté de retrouver le meurtrier, mais malheureusement sans succès. Ces créatures restent tapies dans l'ombre et se gardent de ceux qui veulent les affronter loyalement. Il semblerait que l'un d'entre eux ait voulu se mêler à nous. Sa présence est une véritable offense. Nous le lui ferons payer. Saisissez-le! Qu'il comparaisse devant nous et que la justice de Dieu soit faite! Je veux voir tes yeux avant de te tuer. Tu ne t'attendais pas à ça, on dirait. C'est de la sorcellerie. Pas de la sorcellerie. Nous savions que tu serais là. Nous voulions être sûrs que Robert réussirait à s'en tirer. Alors il s'est enfui. Il faut bien reconnaître que tu as fait échouer nos plans. Et cette fois, tu as bien failli parvenir à tes fins. D'abord le trésor, puis nos hommes. Le contrôle de la Terre Sainte nous a échappé. Robert y a vu une opportunité. Réclamer ce qui avait été volé. Et tirer parti de tes propres victoires. Votre trésor est entre les mains d'Al-Mualim, et nous avons déjà vaincu votre armée. Quoi que tente Robert de Sablé, il échouera encore. Ah, mais maintenant, les Templiers ne sont plus vos seuls ennemis. Sois plus clair. Robert est en route pour Arsouf, où il exposera son plan. Les Croisés et les Sarrasins, unis contre les Assassins. Cela n'arrivera pas. Ils n'ont aucune raison de le faire. Ils n'avaient aucune raison. Mais tu leur en as donné une. 9, précisément. Ces 9 victimes que tu as faites, tu les as faites dans les deux camps. Grâce à toi, les Croisés et les Sarrasins ont un ennemi commun, et ton ordre vit maintenant ses dernières heures. Félicitations. Pas 9. 8. Que veux-tu dire? Je n'en ai pas après toi. Je te laisse la vie sauve. Tu es libre maintenant, mais ne t'avise pas de me suivre. C'est inutile. Tu ne le rattraperas plus. Nous verrons. Allez! Yeah!
C'était un piège. On m'a dit que l'enterrement avait mal tourné. Que s'est-il passé? Robert de Sablé n'était pas présent. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Il savait que je viendrais. Tu dois aller voir Al-Mualim. Je n'ai pas le temps. Et elle m'a dit où il est. Et ce qu'il prépare. S'il arrive jusqu'à Masyaf, il pourrait réussir. Et alors, notre ordre serait en danger. La plupart de ces hommes sont morts. Alors comment pourrait-il nous attaquer? Attends. Tu as bien dit elle? Oui. C'était une femme. Très inhabituelle. Mais ce n'est pas ce qui importe. Concentrons-nous sur De Sablé. Nous avons éclairci ses rangs, mais il est malin. Il va plaider sa cause devant Richard et Salah Adin. Pour les unir contre un ennemi commun. Pour les unir contre nous. C'est impossible, tu dois faire erreur. Cela n'a aucun sens. Ces deux chefs ne feraient pas ça. Détrompe-toi. C'est nous qui avons eu tort. J'ai tué trop d'hommes. Trop d'hommes dans les deux camps. Trop d'hommes importants pour eux. Le plan de Robert de Sablé peut paraître déraisonnable, mais il peut réussir. Écoute-moi bien. Les choses ont changé. Tu dois retourner à Masyaf. On ne peut pas agir sans la permission de notre maître, mon frère. Cela menacerait la fraternité. Je pensais que tu l'aurais compris. Ne te cache pas derrière des mots, Malik. Tu agites le credo et ses préceptes comme un bouclier. Il nous cache des choses importantes. C'est toi qui m'as dit qu'au lieu de savoir, il fallait supposer. Eh bien, je suppose que cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Quand j'en aurai fini, j'irai à Masyaf pour y trouver des réponses. À moins que toi, tu n'y ailles. Je ne peux pas quitter la ville. Alors mêle-toi à la foule. Trouve ceux qui servaient les hommes que j'ai tués. Informe-toi. Tu te dis perspicace. Tu y verras peut-être plus clair que moi. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Fais au mieux, mon ami. Moi, je fais route vers Arsouf. Chaque moment perdu est du temps gagné pour notre ennemi. Sois prudent, mon frère. C'est promis, je serai prudent. Dieu est de mon côté.
Quand l'animus vous indique qu'un garde informé vous observe, dissimulez-vous. Le moindre écart de conduite risquerait d'attirer son attention. Yeah!